Bienvenue à l'ABC du finaliste. Partage tes photos et tes expériences via les médias sociaux. Assure-toi d'utiliser NomoClick. Assure-toi de télécharger l'appli de l'ESPC. Tu y trouveras toutes sortes de renseignements au sujet de l'ESPC et en plus, tu peux l'utiliser pour communiquer avec les autres participantes et participants. Pour la télécharger, visite l'App Store d'Apple, le BlackBerry World ou Google Play. L'application est gratuite. Encourage tes parents et tes amis à consulter le blog pour des mises à jour quotidiennes. Le blog se trouve dans la section des finalistes et des délégués sur notre page web. Les billets de blog seront aussi affichés sur notre page Facebook. Si tu as besoin d'aide, tu devrais d'abord essayer de trouver ton délégué. Tu peux aussi demander à un membre de l'équipe UV. Nous te rappelons qu'ils porteront des T-shirts ou des molletons à capuchon violet. Tu peux également obtenir de l'aide au bureau d'information dans la salle d'exposition. Si tu ne sens pas bien ou si tu te blesses, nous pouvons administrer les premiers soins dans la salle d'exposition. En cas d'urgence, tu trouveras un numéro de téléphone d'urgence au verso de ton porte-nom. Ton porte-nom est extrêmement important. Tu dois le porter en tout temps. Il te donnera accès à la salle d'exposition et te permettra de participer à tous les événements et toutes les activités. Tu trouveras également un horaire au verso de ton porte-nom. Seulement les finalistes, les juges et les ambassadeurs sont autorisés à accéder à la salle d'exposition pendant le jugement. Les portes de la salle d'exposition seront verrouillées la nuit, mais on te suggère d'apporter avec toi les objets de valeur, tels les ordinateurs et les tablettes. N'oublie pas d'apporter ta bouteille d'eau le jour du jugement. Des stations d'hydration seront installées dans la salle d'exposition afin que tu puisses remplir ta bouteille. Les finalistes seront répartis dans des groupes et seront guidés par une ambassadrice ou un ambassadeur à diverses activités dans la salle d'exposition pendant les visites du public, comme le colloque scientifique et les activités pratiques. Ne t'inquiète pas, tu pourras quitter ton projet pendant cette courte période de temps, mais tu devrais apporter avec toi les objets de valeur pendant la rotation. On prendra une photo de toi avec ton projet. Notre photographe prendra les photos pendant le jugement. Si nécessaire, ta photo pourrait aussi être prise jeudi. Ces photos seront disponibles dans le système d'inscription en ligne à la fin de l'exposition. Les photos de la remise des prix seront disponibles en juin. N'oublie pas de visionner les vidéos de l'ABC du jugement sur notre site web. En tant que finaliste, tu es censé collaborer et coopérer avec les autres membres de ton équipe régionale. Respecter les attentes énoncées par ton délégué. Assister et participer à toutes les activités. Sois ponctuel. Être à ton projet lorsque l'ESPC est ouverte au public. Informer ton délégué pour qu'elle ou elle sache où tu es en tout temps. Obtenir la permission explicite de ton délégué avant de quitter le groupe. Respecter tous les couvre-feux imposés par ton délégué. N'oublie pas, tu dois toujours respecter l'environnement, l'université, tes pairs, les délégués, les bénévoles et les juges. Le couvre-feu est mis en œuvre pour la santé et la sécurité des finalistes. Les portes des immeubles résidentiels seront verrouillées à 22h30. Tu dois donc être de retour dans ton immeuble avant que les portes soient verrouillées. Tu auras accès au réseau sans fil sur le campus. Consulte la brochure d'information pour obtenir tous les détails. Le ruban adhésif pour coller tes affiches au présentoir sera fourni. Consulte le site web afin de connaître tous les règlements. Pour protéger tes affiches, nous te suggérons de mettre du ruban d'emballage au verso et ensuite d'apposer le ruban adhésif que nous te fournirons. N'oublie pas d'apporter ton propre ruban d'emballage. Et bien sûr, ne monte pas sur les chaises. Pendant le démontage des projets, tu recevras des instructions bien précises. Assure-toi de les suivre à la lettre. Le démontage des projets débutera à midi. Tu ne peux pas commencer le démontage avant d'avoir entendu l'annonce à cet effet.